Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le Rétro Info aujourd'hui, comme chaque samedi. Et pour en parler, j'aurai avec moi ici sur le plateau Azdine Zalani, juriste et analyste politique. Merci Azdine Zalani. Zoher Ruiz, secrétaire national de Jil Jadid. Merci Zoher d'être avec Merci à vous, bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, les titres. Le Nouvel Observateur. Je voyais les gens tomber. Une photographe raconte le bain de sang à Raza par Cyril Bonnet. Liberté. Le président est apparu mardi, affaibli et incapable d'effort. Bouteflika, le spectre flou du cinquième mandat par Jilali Benyoub. Al-Watan. Commerce durant le mois de Ramadan. Consommation à tout prix, des prix en hausse malgré la disponibilité par Masbah Salim. Alors, les sujets retenus pour cette semaine, nous allons donc parler du massacre à Gaza. Nous évoquerons aussi l'inauguration d'une Zawiya près d'Alger et de la visite d'inspection, nous dit-on, de M. Bouteflika à la Grande Mosquée. Dans le même temps, nous parlerons de ce mot nouveau qui est en train de fleurir dans le jargon des relais du régime, l'istimrariya, qui vient remplacer le cinquième mandat. Et enfin, nous parlerons de Ramadan en Algérie. Alors, massacre à Gaza, que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Quelle est cette, comment dirais-je, hécatombe qui se répète à chaque fois et qui passe à la trappe de l'opinion publique comme si de rien n'était? Bon, les événements qui se sont déroulés à Gaza font suite à la décision qui a été prise par un certain nombre de partis politiques palestiniens de marquer de manière significative les 70 ans de la Nakba. Et en même temps, comme une provocation, les Américains, en tout cas l'administration américaine, a décidé d'inaugurer pratiquement à 24 heures près, hein, quasiment l'inauguration de leur ambassade à Al-Quds. Cette ambassade, et tout le monde est d'accord pour le dire, qui se situe sur le territoire d'Al-Quds, constitue la deuxième occupation étrangère de la ville d'Al-Quds après Israël, tout simplement. Alors même que tous les autres pays n'ont pas fait ce pas-là, justement, pour que la situation ne se complique pas davantage et que les Israéliens et les Palestiniens trouvent une solution conforme à leurs désirs concernant le territoire d'Al-Quds, voilà que les Américains en rajoutent. Mais bon, nous ne sommes plus à une provocation près du président Mais certains, Trump. Certains pays sont en train de suivre les Américains, le Guatemala entre autres, et on dit que les Américains usent quasiment de chantage économique et qu'ils vont le faire de plus en plus pour contraindre quasiment de plus en plus de pays à les rejoindre dans ce choix de Jérusalem, capitale d'Israël. Oui, donc c'est, en fait, ils ne sont pas en train de suivre, ils sont contraints, vous venez de le dire. Oui. Et effectivement, j'ai vu la liste des pays qui ont envoyé des représentants à cette inauguration, un certain nombre de pays. Mmh. Ce sont des pays qui sont dans le besoin, probablement, ou qui dépendent d'une aide importante des États-Unis. Bon, en tout cas, le plus navrant, pour ne pas dire plus, c'est la position des pays arabes. C'est la position de ceux qui prétendent soutenir la cause palestinienne et qui ne font rien, qui n'engagent aucune action, ne serait-ce que symbolique, pour protester contre l'installation de cette ambassade et contre ce massacre à ciel ouvert qui est fait. Quel est le pays qui a, par exemple, organisé un sitting de ses ambassadeurs au niveau du Conseil de sécurité, par exemple de l'ONU? Non, oui. Ça aurait pu être une action médiatique. Quel est le pays arabe qui a des relations diplomatiques avec Israël et les a rompues? Oui. Quels sont les pays arabes? Il y a eu des petites mesures de renvoyer les ambassadeurs, les convoquer, convoquer les siens pour consultation. Oui, mais qui toujours assez timide. Hein, mais qui n'intimide qui personne. Pas conséquence. Qui n'intimide personne. Les pays du Golfe, justement, il n'y a quasiment pas de réaction.
C'est incroyable. Les pays qui se disaient à l'avant-garde du soutien pour la Palestine, l'Arabie saoudite, entre autres, quasiment, c'est quasiment presque le feu vert à Israël de continuer. Mais le point commun entre tous ces pays-là, c'est que c'est des dictatures, il faut le dire. Ce sont des dictatures qui se maintiennent grâce au parapluie occidental et américain en particulier. Comment peuvent-ils se retourner contre ce parapluie-là? Donc plus ils continuent dans cette position, plus ils se coupent de leur peuple et ils deviennent fragiles. Et plus ils se coupent de leur peuple, plus ils ont besoin de la caution occidentale et américaine en particulier. Donc ils sont aujourd'hui dans ce jeu-là et dans cette situation-là. Et entre-temps, des Palestiniens meurent tous les jours sous les balles de l'occupant, alors qu'ils manifestaient sans armes. Zdine Zaloni. Écoutez, comment dirais-je ? Soit je vais dire la même chose parce que je suis totalement d'accord avec ce que dit notre ami, ce que vous dites et ce que disent les gens dans le public, mais jusqu'à quand pouvons-nous continuer toujours à répéter les mêmes arguments, les mêmes réactions face à cette question-là ? Ça fait maintenant un siècle que les Arabes ont toujours une guerre en arrière. Avant 48, après 48, chaque fois qu'on leur propose un plan, ils réagissent négativement en refusant, et c'est toujours dans l'intérêt, justement, des concepteurs de l'État d'Israël, etc., à chaque refus, il y a une défaite qui arrive après. Rappelez-vous 67, rappelez-vous la position de Bourguiba, quand il a dit « acceptez ». Acceptez, prenez. À l'époque, c'était avant 67. On l'a traité de traître. Oui. Finalement, après, sa dette est venue. Il y avait un plan de 5 ans, qu'on a appelé à l'époque en anglais, dans la version anglaise, self-government, auto-administration de 5 ans, plus en 77. Mais que Begin avait refusé aussi. Non, il a signé, il y a Camp David. Ça a été signé. Et il devait y avoir une autonomie palestinienne, self-government, et dans la traduction française, autonomie, terme. Oui. En tout cas, qui ne pouvait durer que 5 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1982, et qui, après, ce serait l'autodétermination des Palestiniens. Oui. Le vote, soit comme ça, soit comme ça. Ça, c'était à l'époque de Sadat. Et Sadat avait tout fait, finalement, il a été assassiné. Oui. Avant que ceux qui sont venus après lui... Vous semblez reprocher aux gens d'avoir essayé de lutter. Cette dette, c'était une démission, c'était un paix séparée, il avait vendu la cause palestinienne. Oui, mais ça n'a pas empêché les Arabes, après l'avoir boycotté à un moment donné, pour revenir, n'est-ce pas, faire la... Oui. Oui, c'est pire maintenant, c'est vrai. Maintenant, c'est pire après, encore, etc. Sans contrepartie. Donc, c'est pour ça qu'il faut. Ce n'est pas pour autant justifiable, j'allais dire. Maintenant, je m'élève contre l'utilisation par les autorités de Gaza, le massacre qui a été commis. Comment ils utilisent ? Ce massacre qui a été commis par l'armée, d'État, n'est-ce pas, contre des populations civiles. Mais vous semblez rejeter la responsabilité sur le... Sur les deux. Sur les deux. Vous pensez que le gouvernement de Gaza... Sur le gouvernement de Gaza, donc Hamas a poussé la population. Certes, la population de Gaza... C'est la version d'Israël, ça. C'est Hamas qui a poussé... Mais pourquoi la version d'Israël ne peut pas être des faits aussi? Pourquoi les Palestiniens n'ont pas le droit de se révolter contre le fait que Jérusalem devienne la capitale d'Israël? Ils ont essayé de passer une frontière. Ils n'ont pas le droit de commémorer... Non, mais je vous interromps, je vous pose des questions, je vous laisse vous exprimer. Oui, ils n'ont pas le droit de commémorer la Nakba, qui a été le début de la fin de leur patrie. En 1900, ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est des populations civiles, des jeunes, des enfants, des femmes, qui ont été poussées à franchir une frontière militaire. Certes, la Palestine, c'est la Palestine dans l'esprit des Arabes et tout ce qu'on veut, et c'est une Palestine unie. Ce n'est pas une frontière, c'est une ligne de cessez-le-feu. Vous êtes juriste, vous savez très bien qu'en 1949, ce n'est pas les termes en leur importance. Ce n'est pas une frontière. Ou alors ce serait reconnaître que la patrie des Palestiniens se confine à Gaza. Je vais répondre, si vous permettez. Oui. L'État qui ne reconnaît pas, et le seul État dans le monde, il me semble,
qui n'a pas de frontière officielle, c'est l'État d'Israël. Oui. Oui. Par contre, les Palestiniens revendiquent maintenant officiellement avec la Ligue arabe la reconnaissance d'une, pas d'une seule autorité, mais d'un État palestinien sur les frontières de 67. De 67. Et les frontières de 67, c'est celle-là de Gaza. Mais c'est une revendication. Non, je suis désolé. Ça reste une ligne de cessez-le-feu. Il ne faut pas dire des choses contraires. Les États arabes revendiquent, demandent maintenant la reconnaissance d'un État palestinien sur les débris. Mais vous êtes en train de dire la reconnaissance, ça veut dire que ce n'est pas reconnu. Il la demande. C'est une ligne de cessez-le-feu, ce non. n'est pas une frontière. Non. Alors, allez-y. Non, allez-y. Je suis désolé. D'accord. Ce qui a été une ligne de cessez-le-feu, n'est-ce pas, c'est, d'ailleurs, c'est ce qui va, on va revenir à Jérusalem, et on va retrouver dans le même, se retrouver dans le même souci, celui de Jérusalem Est et Ouest, etc., et tout, avec... avec la visite et avec l'ambassade des États-Unis, la reconnaissance de Jérusalem capitale d'Israël. Israël est le seul État qui n'a pas de frontière officielle, qui n'a pas délimité. Oui, on est d'accord là. La Ligue arabe reconnaît maintenant et depuis très longtemps, depuis les différents sommets, n'est-ce pas, sous conditions Hamas, à Israël offre de paix contre la reconnaissance d'un État palestinien à côté d'Israël sur les frontières de 67, c'est-à-dire de Gaza actuel et de ce qu'on appelle la Cisjordanie, à Rif al-Gharbiya actuel. Mais ce sont des frontières qui n'ont jamais été ratifiées et qui dit frontière dit l'accord de deux parties. Et en plus, Israël n'a pas de frontières. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'elle ne le peut pas, c'est parce qu'elle ne le veut pas. C'est parce qu'Israël a l'ambition de prendre le plus de terres possible aux Palestiniens, et c'est pour ça qu'elle n'a jamais accepté de délimiter des frontières. Donc il ne faut pas retourner le problème. Et puis quand vous dites que le gouvernement de Gaza, Hamas, appelle la population à attaquer les frontières d'Israël, ce n'est pas le cas. Il y a aussi des partis progressistes palestiniens qui ont lancé le même appel, le FPLP, entre autres. Pourquoi ils le font, qu'est-ce qu'il pèse, le FPLP? Envoyer des populations civiles face à des militaires armés qui, maintenant, et qui sont, qui ont la garantie internationale que l'État d'Israël, maintenant, peut faire ce qu'il veut, sans être condamné par l'ONU, par n'importe qui, sans qu'il y ait un journal, à la limite, pour dénoncer cela, sans parler des États, y compris, comme vous l'avez souligné, par les États arabes. Dans cette situation, dans cette configuration politique internationale, y compris humanitaire, où le peuple de Gaza, le peuple de la Palestine, de Gaza, et depuis des années maintenant, sous l'emprise d'un embargo, y compris par les Égyptiens, y compris pour les blessés. Les Égyptiens refusent de faire passer les blessés par la frontière du Sinaï pour ce qui est de Gaza. On envoie, comme on l'appelle, soukan ouzel, des enfants, des femmes, des civils, même des handicapés, face à une armée. Ce ne sont pas des terroristes. C'est des populations civiles. Mais les envoyer. D'ailleurs, côté israélien, on ne déplore quasiment aucune victime. Un Israélien blessé par pierre, jet de pierre. Mais qu'est-ce que c'est que cette politique d'envoyer sa population au massacre? Et vous voulez qu'on accepte? Vous voulez qu'il y ait des gens qui disent oui, ahlan bil tadhiya, yani bil tadhiya kida. Zohair Ruiz. Oui, ce qui est sûr, c'est que nous sommes face à une situation où nous avons des populations qui sont sous occupation. Donc, et c'est sous occupation par l'armée israélienne, par Israël. L'armée israélienne n'est pas à Gaza. Elle n'est pas dans la bande de Gaza. Elle est tout autour. Elle est tout autour. Elle est dans ce qui est appelé l'État d'Israël. Gaza est une prison enfermée, gardée par Israël. Oui. Nous sommes d'accord que les Palestiniens vivent sous occupation. Tout simplement. Ça, c'est la vérité. Ils sont sous embargo. Ils sont enfermés dans un bout de territoire. Et ils ne peuvent pas en sortir. Et il n'y a pas non plus de continuité territoriale avec la Cisjordanie. On est d'accord aussi. Aucune continuité territoriale. Mm-hmm. Donc nous avons tout un peuple qui est sous occupation. Les Palestiniens, quoi qu'on puisse penser ou dire, à mon sens, ils ont essayé toutes sortes et toutes formes de résistance. Cette fois-ci, nous avons une population civile, comme vous le précisez, qui est là sans armes, les mains nues, face à un occupant. Combien même, ils franchissent une frontière qu'Israël considère comme étant la sienne.
on ne peut pas penser qu'il serait légitime ou en droit de leur tirer dessus. Quand bien même, c'est ça. Ça fait partie du... C'est clair, c'est évident. Une armée qui tire sur des civils, c'est condamnable. Maintenant, il y a les causes, les conséquences et tout cela. Je voudrais vous rappeler, par exemple, une chose. Gaza, avant 67, de 48 à 67, ce territoire-là, minuscule, population palestinienne, était sous autorité égyptienne. Et il n'y avait pas de reconnaissance de Palestiniens à l'époque par les Égyptiens. Donc, à l'époque de 48 à 67, sous autorité égyptienne... L'Égypte avait des relations avec l'OLP. Non, il n'y avait pas d'OLP à l'époque. L'OLP a été créé en 65, il n'y avait pas d'OLP. Elle a été créée en 65, 1er janvier 65, mais elle a commencé véritablement en 67 avec ses activités, etc. Mais de 48 jusqu'à 67, jusqu'à la défaite de 67, Gaza était un territoire administré par l'Égypte, et ce qu'on appelle la Cisjordanie, Zof al-Gharbiya, la rive ouest, était administrée, y compris Al-Quds, par la Jordanie. Mais pas de cette manière, administrée. Administrée par la Jordanie. Pas administrée. Les Arabes ne reconnaissaient pas l'État palestinien. Ce n'était pas une prison. Je ne parle pas de l'État. Les Palestiniens sont sous occupation. Sous occupation militaire. Ce n'est pas de la rigolade. Les Israéliens font de la guerre comme partout, et peut-être parfois moins... mal que certains, mais ils feront quand même la guerre. Les Arabes leur font la guerre. Au sujet de Jérusalem, capitale... Au sujet de Jérusalem. Jérusalem aussi, quand, avant 67, avant son occupation par l'armée israélienne, et c'est une occupation qui est considérée par l'ONU comme illégale, Jérusalem était sous autorité jordanienne. Ça veut dire que les Jordaniens... Il n'était même pas un État, un royaume qui a été constitué par Sykes-Picot. Vous voyez très bien, l'État de Jordanie est d'ailleurs composé de majorité de Palestiniens. Le royaume hachémite gouvernait les lieux saints, et jusqu'à ce jour d'ailleurs, c'est lui parce qu'il tient la gestion des lieux saints, c'est lui qui tenait la bande ouest, la bande de Gaza, la Cisjordanie. La Cisjordanie, avant son occupation. Jamais la Jordanie n'a reconnu l'existence d'une Palestine ou d'un État palestinien. Oui, mais ou d'une population palestinienne. D'accord, mais Jérusalem n'était pas la capitale d'Israël. Et le comte Bernadotte, avant d'être assassiné, avait demandé, en plus d'avoir signalé l'exode massif et le nettoyage ethnique des populations civiles, il avait demandé à l'internationalisation de Jérusalem, justement, pour éviter qu'elle ne devienne la capitale de la nouvelle force occupante. Oui, bon, maintenant pour Jérusalem. Israël a la prétention d'en faire l'État, la capitale de son État. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui reste de dans la pratique, regardons bien. Il y a le petit territoire de 1967, où il y a les mosquées musulmanes, l'Arsa et tout ça, mais il y a aussi des sites chrétiens dans Jérusalem-Est. Très, très peu, mais pratiquement très peu de sites archéologiques juifs, ou même hébraïques. Oui. Ça, c'est très mal dit, mais il y a pratiquement 80% de sites qui sont musulmans. Il y a environ 17%, 18% de sites chrétiens, de toute obédience. Oui. Il y a environ 2% de sites judaïques, et qui sont récents, qui datent de la période musulmane. Et malgré toutes les recherches effectuées, ça reste à cet état à peu près. Ça reste mythique dans cette histoire d'Israël. Absolument. Ça reste totalement mythique, et des Israéliens ont la force de le reconnaître, actuellement en Israël. Oui. Ils disent, il n'y a pas de peuple juif, sachant que les juifs qui sont en Afrique du Nord, qui étaient en Afrique du Nord, c'est des berbères d'Afrique du Nord qui se sont convertis au 1er siècle. Ça reste une thèse. Anthropologiquement, c'est prouvé. Ouais.
C'est prouvé. Les juifs marocains sont des juifs marocains. Vous avancez, je crois, vous aventurez. Ça reste une thèse. Comme cette histoire de Kahina, juive berbère, ça reste... Non, je n'ai pas dit... La meilleure preuve, vous savez laquelle? Vous voulez dire qu'il y a une... Même si, si on doit revenir au sujet. La meilleure preuve, vous savez que pour les anthropologues et les historiens, les meilleures preuves de la présence d'une communauté sur un territoire, ce sont les sépultures. Or, en Afrique du Nord, et en Algérie tout particulièrement, il n'y a pas de sépultures juives communes, c'est-à-dire des cimetières de communautés, ni en Kabylie, ni dans les Aurès, ils ont beau chercher, ils n'ont jamais trouvé. Jamais. Et ça, c'est la meilleure preuve qu'il n'y a pas eu de communauté juive en Algérie, comme vous dites, de berbères juifs qui sont convertis à la religion juive. Mais nous allons... Est-ce que vous avez une solution? Est-ce que vous avez une solution pour... L'une des plus anciennes synagogues du monde. Oui. Ghreba. Après celle de Ghreba, peut-être même avant. Oui. Existe à Alger, actuellement, sur qui date de l'époque phénicienne, sur le territoire de l'état-major de la marine à Alger. Mais ça ne veut rien dire. La présence d'une synagogue ne veut rien dire. Un comptoir juif commercial peut nécessiter la présence d'une chapelle ou d'une synagogue ou d'une petite mosquée. Vous voulez faire du judaïsme une race, c'est exactement ce que font les sionistes. Non, je ne fais pas. Le judaïsme n'est pas une race. Il y a des juifs ashkénazes qui sont européens, qui sont d'origine slave, tatars et autres, et qui n'ont aucun lien avec Moïse. Ni avec Abraham. Sujet très intéressant, voilà, mais nous sommes obligés de... nous allons passer au sujet suivant. Zoher Ruiz. Le président Bouteflika a inauguré une zaouïa en grande pompe, une zaouïa très luxueuse à Tixraïn. Puis il a inspecté, nous dit-on, inspecté, c'est trop dire, la grande mosquée qui serait peut-être appelée à s'appeler... la mosquée Bouteflika. D'abord, nous allons voir quelques images de lui, puis nous allons venir à la discussion. Monsieur Bouteflika. Alors là, nous allons le voir en train d'inaugurer. Regardez bien, il lui suffisait de tirer le fil. Il ne peut pas. Il ne peut pas tirer. Et le directeur de cabinet l'a fait pour lui. Voilà. Vous avez vu. Vous avez vu que le président de la République, dont on nous dit qu'il travaille beaucoup, qu'il gère, qu'il dirige, n'a pas pu tirer le petit fil pour faire tomber le drapeau, qu'il a fallu que son assistant ou son directeur de cabinet, l'aide. Alors, comment un chef de l'État ne peut pas faire ce petit effort physique, même à supposer qu'il a toutes ses capacités mentales? Comment peut-on attendre de lui qu'il dirige tout un pays? Vous savez, ils passent beaucoup de temps, en tout cas les supporters ou ceux qui sont autour de Abdelaziz Bouteflika passent beaucoup de temps à nous expliquer que finalement, malgré son AVC, il n'a jamais décroché, qu'il est toujours resté actif, qu'il a toujours eu de grandes séances de travail, qu'il reçoit beaucoup de monde, qu'il discute des heures et des heures avec un certain nombre de partenaires étrangers. Et ces derniers le confirment à la sortie de leur entretien avec lui. Sauf que les Algériens ne l'ont pas entendu prononcer un seul mot depuis plus de 6 ans. Ouais. Voilà. À part deux fois, les deux seules fois où ils l'ont entendu prononcer des mots, de manière très pénible pour lui, c'était lorsqu'il est allé déposer son dossier au Conseil constitutionnel, où effectivement nous l'avons pénible entendu chuchoter qu'il voulait
présenté son dossier de candidature. Et puis la seconde fois, où ça a été, je pense, une séquence atroce pour lui, c'est la prestation de serment. Oui. C'est les deux seules fois où les Algériens, depuis 6 ans, l'ont entendu c'est parler. Pas la prestation de serment, le discours d'investiture. Quand on lui a retiré les feuillets, quand Saïd Bouteflika avait envoyé son protocole, retirer les feuillets, parce qu'il lui dictait ce qu'il devait dire à l'oreillette, et que lui avait pris la responsabilité de lire tout seul et commencer à bafouiller. Moi, je pensais plutôt à la prestation de serment, la main sur le Coran, où il s'est trompé à plusieurs reprises et il n'a pas pu le faire correctement. Oui. Donc beaucoup de gens nous disent qu'il va bien, il travaille. D'ailleurs, dernièrement, on nous a expliqué qu'il avait quelque peu renvoyé en deuxième lecture, en tout cas au niveau du gouvernement, le projet de loi de finances complémentaire, parce qu'il n'en était pas satisfait. Ces images-là, celles-ci, comme celles de la dernière fois, sa tournée à Alger, suffisent en elles-mêmes pour montrer que nous avons un président très diminué, pour rester très pudique, très diminué, qui n'est pas en capacité de se mouvoir. Et quand on voit ce type d'image, on a beaucoup de peine à penser qu'il puisse être en activité réellement, comme doit l'être un président. On a beaucoup de peine à penser qu'il puisse remplir toutes ses obligations constitutionnelles. Et on a encore plus de peine à penser qu'il puisse vouloir rempiler pour un cinquième mandat. Est-ce des années ? Oui, on a eu souvent l'occasion d'aborder cette question-là. Mais là on a vu qu'il ne pouvait même pas... La question de l'incapacité du président de la République à exercer ses missions devient une question notoire. La notoriété en droit exclut, n'a pas besoin de preuves, y compris judiciaires, y compris du Conseil constitutionnel. Là, la notoriété suffit pour montrer que le monsieur que l'on présente n'est pas apte d'exercer, y compris les fonctions humaines, simples, a fortiori pour les fonctions constitutionnelles obligatoires et qui ne sont pas à déléguer. Absolument. Voilà. Donc, la question se pose aussi, l'absence manifeste du président, mais il y a aussi l'absence manifeste, curieusement, d'une opposition forte, d'une opposition unie, qui pourrait proposer, dans des conditions réelles et pacifiques, une alternative au peuple algérien. Comment ? On est obligé aussi de le reconnaître. Comment, puisque le Conseil constitutionnel, s'il ne s'auto-saisit pas pour invoquer l'article 102 sur l'empêchement, personne ne peut l'y forcer, légalement, personne. Ni le Parlement, ni une quelconque autre institution, ni encore moins l'opposition. Comment le faire légalement ? Comment aller vers une alternative qui ne soit pas celle-ci, puisque le Conseil constitutionnel refuse de saisir, de faire agir l'article en question ? Oui, on est mis devant cet état de fait d'une démission qui a l'air en droit, qui peut être qualifiée au point de vue pénal. Quand une institution de ce genre ne fait pas son travail, n'est-ce pas ? C'est de la forfaiture. C'est de la forfaiture quand des ministres ou des personnes qui sont détenteurs de part de responsabilité et de souveraineté ne font pas leur mission. Et c'est de la forfaiture et c'est très grave. Le Conseil constitutionnel, avec son président, a eu l'occasion de dénoncer plusieurs fois. Oui. Maintenant, pour l'avenir, très proche de l'Algérie, où on a tendance à vouloir présenter peut-être éventuellement ce monsieur handicapé pour un cinquième mandat, mais on ne peut pas le dire constitutionnellement que c'est un cinquième, on va dire je ne sais plus quoi, à cette place, une continuité comme vous l'avez souligné. On va y venir, l'istimararia. Mais face à cette absence de chef d'État, et même de présidence, et même j'allais dire d'État, de gouvernance, où est l'opposition ? On est quand même obligé d'y réfléchir, de poser cette question, parce que la population, même si elle est convaincue qu'elle soit contre ou qu'elle considère encore, c'est encore plus grave, une certaine mansuétude humanitaire vis-à-vis du chef de l'État, ou de ceux qui étaient un chef de l'État, ou leur chef de l'État, pour qui ils ont voté, mais ils le considèrent maintenant d'une manière, j'allais dire, musulmane, charitable, c'est beaucoup plus grave
encore que c'est des opposants, des gens qui étaient avec lui, qui sont toujours avec lui, qui souhaitent qu'il se repose. Mais face à cela, qu'est-ce qu'il y a? Le vide oppositionnel. Alors la question est, vous est directement adressée, vous qui êtes dans l'opposition, où est l'opposition? Bon, je ne pense pas que Gilles Djedid a la prétention de représenter toute l'opposition. Et néanmoins, je ne pense pas que quiconque puisse dire aujourd'hui que Gilles Djedid ne fait pas son travail d'opposition à ce régime et que finalement, quand on regarde, et vous avez raison, Aziz Alani, quand on regarde, l'opposition a déserté le terrain et on se retrouve à Gilles Djedid, une fois de plus, un peu seul face à cette situation. Nous sommes seuls face à cette situation, au moins depuis les législatives de l'année dernière, puisque avant les législatives, il y avait quand même une coalition des partis de l'opposition qui s'est formée en 2014 et qui a donné beaucoup d'espoir. Mais on sait ce qui s'est passé en 2017 et ce vide est créé par cette corruption généralisée qu'a réussi à faire Abdelaziz Bouteflika et tous ses acolytes, où finalement ils ont fait miroiter et acheter les uns et les autres pour qu'ils siègent au Parlement, qu'ils aient par ce biais-là des budgets pour faire fonctionner leur structure et ainsi de suite. Mais tout compte fait, ce régime n'a fait que les isoler davantage de la population. Il n'a fait que les enfermer davantage. Et donc, Gilles Djedid est de nouveau, quand je dis seul, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a un certain nombre d'organisations de la société civile, il y a un certain nombre de personnes, de personnalités, avec qui nous sommes en contact et en échange permanent pour des initiatives politiques que nous avons déjà prises et que nous allons prendre aussi à l'avenir. Il y en a d'autres là qui vont arriver. Nous y travaillons fermement et on espère que une forte majorité d'organisations et de partis et de personnes de la société civile rejoindront ces initiatives-là. Mais nous sommes sur le terrain, on fait ce qu'on peut. On fait ce ce que nous avons. Nous allons continuer sur le sujet de l'Istimararia. Pourquoi l'Istimararia maintenant? Ils passaient leur temps à nous parler du cinquième mandat, y compris Ould Abbas, qui maintenant ont reçu une sorte de consigne générale, ne plus parler du cinquième mandat, mais d'Istimararia. Qu'est-ce que ça veut dire, Aziz Alani? Non, parce que le mot cinquième mandat serait illégal et anticonstitutionnel. Parce que la nouvelle constitution maintenant, oui, qui a été votée il y a très peu de temps, la nouvelle version qui revient à l'ancienne de l'époque de l'ancien président, oui, Zerouel, celle de la limitation du mandat à deux mandats. Et donc, ils ne peuvent pas dire cinquième mandat parce que c'est interdit. Ce serait anticonstitutionnel. Ils ne peuvent pas dire premier mandat parce que ce n'est pas la première fois, voilà, qu'il exerce. Oui. Alors, il trouve une formule qui ne parle plus de mandat cette fois-ci. Mais plus de mandature. Continuité. Mais ça nous rapproche de l'aspect monarchique. Oui. Ça nous rapproche de l'aspect monarchique. Qu'est-ce qui différencie le roi? Il y a certains rois qui ont moins de pouvoir que des régimes présidentiels, hein, présidentialistes. Mmh. Il y a des rois qui sont symboliques, hein, des rois d'Europe du Nord ou autre, etc., qui n'ont que des fonctions symboliques. Mmh. Et il y a des rois qui ont des fonctions vraiment monarchistes. Oui. Et il y a des présidents de la République qui ont des fonctions dictatoriales, comme celle qu'on a chez nous, où le président de la République a quasiment la fonction de nommer le maire, au lieu de nommer celui qui le nomme. Oui. Bien, la question qui se pose, j'ai un petit trou de mémoire. L'Istimararia, le cinquième mandat. Cette histoire de cinquième mandat nous interpelle par rapport à cette tendance, comme je vous l'ai dit, à vouloir casser la notion de mandature, de cette monarchisation qui est en œuvre, oui, pas seulement depuis maintenant. Et la dynastie ne pouvait-elle devenir latérale? J'y arrive. Cette dynastisation où on parle de famille, oui, pas seulement de clan, oui, mais de famille du président. De fratrie. De fratrie, oui, et autres, etc. Qui n'est pas dans nos mœurs, qui n'est pas dans nos mœurs politiques. Même dictatoriales, elles n'étaient, oui, pas dans nos mœurs.
hein, où il y avait la famille du président, le frère du président, et je ne sais plus quoi, le demi-frère du président, et tout cela, et qui ont tous des fonctions officielles, et qui ont tous des avis à donner, etc. Mais, je l'ai souligné une fois ici, j'avais cité les prérogatives qui ont été données à M. Saïd Bouteflika de s'ingérer dans les fonctions du chef du gouvernement, de rentrer dans leur bureau, de prendre la ligne de souveraineté, d'interpeller les ministres du bureau du chef du gouvernement par M. Saïd Bouteflika au premier mandat. Et donc, c'est devenu une dynastie. Donc, il l'a préparé. Saïd Bouteflika a été préparé. Comment on dit en termes juridiques une dynastie qui s'hérite par fratrie et à un terme? Familial, dans tous les cas. En Arabie Saoudite, je crois. Les formes délégation héréditaire, oui. Elles peuvent se faire d'une manière latérale, oui. Collatérale, oui. Ou... Par ascendance. Oui. Soit verticale, soit horizontale. Oui. Soit on hérite du père, soit on hérite du frère. Oui. Quand il n'y a pas de... Alors, il nous reste... Donc, c'est une monarchisation de la République. Il nous reste... on va faire vite parce qu'il y a le sujet du Ramadan. Juste sur cette histoire de continuité, je pense qu'on on peut au moins le dire. On parlait des actions de Gilles Jedid. Je pense que nous avons réussi à casser cette notion de cinquième mandat. Ce n'est pas parce que c'est constitutionnellement interdit qu'ils se sont ravisés, puisque maintes fois, ils ont piétiné la Constitution et les lois. C'est parce que dans l'imaginaire collectif, nous avons, je pense, réussi avec d'autres juristes, Madame Nabou en particulier, expliquer, faire de la pédagogie. C'est ce que nous faisons dans nos sorties de proximité, faire de la pédagogie, expliquer qu'il ne peut pas y avoir de cinquième mandat. C'est strictement interdit. Et donc, par leur propre constitution. Par leur propre constitution, oui. Qu'ils ne respectent même pas. Oui. Et donc, ils se sont retrouvés enfermés, là aussi, et ils ne peuvent, en effet, plus utiliser cette notion de cinquième mandat. Et donc, ils parlent de continuité, après avoir usé et abusé, d'autres termes comme la stabilité, le retour, le maintien de la stabilité, etc., etc. Et donc, petit à petit, et c'est ça que nous devons faire collectivement, c'est à ça que j'appelle aussi partis, associations, organisations, société civile, c'est ne pas les laisser faire, ne pas les laisser utiliser, y compris dans les termes, et ne pas les laisser faire, parce que même cette histoire de continuité, il va falloir aussi expliquer pourquoi faire, et donc revenir au bilan, parler du bilan qu'on essaye de nous préparer, et expliquer comment on peut faire une continuité quand on a un bilan aussi catastrophique. Comment on peut avoir une continuité, la catastrophe. Un président aussi diminué et absent, etc., etc. Donc, nous y reviendrons, là aussi, et nous serons sur le terrain pour expliquer toutes ces notions aux Algériens pour que, petit à petit, cette volonté maladive, probablement, mais en tout cas qui serait macabre pour l'Algérie de perpétuer ce régime et d'octroyer un cinquième mandat, serait fatale pour le pays. Et nous allons passer à Ramadan. Ramadan, comment ça se passe, Ramadan, en Algérie, d'une façon générale. Ramadan qui est ressenti pour beaucoup de familles, qui sont un peu dans la difficulté, comme une autre difficulté à affronter le quotidien, après l'Aïd Sghir, l'Aïd Lekber, l'Aïd, le Ramadan, la rentrée scolaire, le mariage du petit, toutes ces choses-là qui coûtent beaucoup d'argent chez nous. Et Ramadan est en train de devenir une sorte de période où on doit faire assaut de consommation. Ils ont rendu public récemment un chiffre, ils parlent de dizaines de milliards de gaspillage de nourriture qui va à la poubelle dans un pays où 10 millions d'habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et les commerçants, pour eux, c'est le mois par excellence où il faut faire beaucoup d'argent. Et donc, c'est la spéculation, c'est la flambée des prix. À côté, il y a aussi le fameux couvain du Ramadan, qu'on donne en nature. Hein, ce n'est pas une enveloppe, ce n'est pas un versement sur un compte bancaire. 2000 dinars, un couvain avec de l'huile, de la semoule, des petites choses comme ça. À votre avis? Bon, déjà, je voudrais profiter de ce passage-là pour souhaiter un bon Ramadan, déjà, à tous les musulmans et aux Algériens en particulier. Le mois de Ramadan est effectivement probablement un mois de faste consommation, mais c'est aussi une épreuve, en réalité, pour les chefs de famille,
justement pour faire en sorte que, au moins dans l'année, il puisse y avoir un certain nombre de gestes ou de faits ou d'éléments qui puissent marquer les festivités, en tout cas ce mois solennel. Donc c'est assez compliqué. Vous avez évoqué toute la gabégie qu'il peut y avoir autour aussi de ce mois-là. Bon, ça procède aussi du laisser-aller de toutes ces années de faste, hein, où l'Algérie, les gouvernants, hein, Bouteflika et ses acolytes, hein, ont déversé et déversé pour acheter la paix civile et la paix sociale, et sans qu'on explique aux Algériens que... Eh bien, il y a une contrepartie, que tout n'est pas permanent, que les ressources... Et qu'ils mangeaient leur blé en herbe. Absolument, et que les ressources, les hydrocarbures avaient une fin, et qu'à un moment donné, il va falloir se mettre à compter ce qu'on dépense, ce qu'on acquiert et ce qu'on dépense. Et donc, on en est là aussi aujourd'hui. Donc, c'est très compliqué, même si je vois que le régime est toujours tenté, hein, de déverser. On a vu ces séquences de distribution de couffins qui sont d'ailleurs très... qui manquent de dignité en réalité, ces séquences-là, pour distribuer, alors qu'il y a d'autres façons de faire les choses et de cibler précisément les nécessiteux et d'autres mécanismes pour pouvoir les atteindre et leur donner ce que la société veut leur donner. Pourquoi cette propension à donner des couffins en nature? Pourquoi ne pas verser de l'argent sur le compte des gens ou leur donner une enveloppe? Parce qu'on fait de la com, parce qu'on veut montrer que l'État est dans toute sa splendeur, dans toute sa générosité, est là et il ramène c'est jusqu'à... C'est très primaire, ça. C'est... Oui, mais... Il ne manque plus que de prendre du blé, une poignée de blé et une poignée d'orge. Oui, mais c'est très révélateur, hein, de l'état d'esprit de ces dirigeants-là. Hein. Donc, ils pourraient, ce n'est pas qu'ils ne savent pas que d'autres mécanismes existent, ils pourraient le faire. D'autres parlent d'occasion pour se remplir les poches. Il y aurait des maires, des gens qui gèrent le couffin du Ramadan et qui en profitent, Esdin Zalani, pour prendre de l'argent. Question de couffin du Ramadan. Oui. Depuis qu'on connaît ce qu'est le Ramadan, les imams, les prêches, tout le temps, disent que le Ramadan est un mois de piété, un mois de retour sur soi, sobriété. De bonté, de sobriété, etc. Et ce qui est prêché partout, dans les mosquées et partout. Et on voit là le gouvernement aller dans le sens... Le Ramadan, c'est quelque chose, c'est une histoire de bouffe. De gaspillage. Que ce soit un petit couffin. De ripaille. Un petit couffin. Ou une grande ripaille, n'est-ce pas, dispersée partout, gratuitement ou autre. C'est donner l'image que le Ramadan est une question de bouffe ou de malbouffe ou de je ne sais plus quoi, question alimentaire. Oui. Alors, le gouvernement, là, ne montre pas, par cet aspect symbolique du couffin, Koufat Ramadan, c'est donc le ventre, l'idée de manger, de la ripaille qui est toujours là, même s'il s'agit de subsistance parfois ou de sadaqa, comme dans l'esprit qui est donné, c'est la sadaqa de l'État, du pouvoir, du gouvernement à la population. Et dans cet esprit-là, l'aspect spirituel du Ramadan est mis de côté. Mais pour ce qui est des bénéficiaires de Khofat Ramadan, généralement, ce n'est pas une question de ripaille. Ce sont des gens qui sont dans la subsistance, qui ont besoin de manger. Parce que déjà, ce qu'on leur distribue, ce n'est pas le luxe, hein, ce n'est pas de la baklawa ou de la kefta qu'on leur donne, c'est de l'huile, de la farine. Mais pourquoi ne pas leur distribuer sous forme d'argent? Pourquoi leur donner... D'abord, c'est indigne, c'est humiliant. Donner des couffins à des gens, enfin des cartons de nourriture. Pourquoi ne pas leur donner de l'argent et laisser faire comme ils veulent? Je pense que vous avez eu écho de la même expérience. Les personnes les plus pauvres et les plus dignes vont rarement se bousculer. Oui. Les plus pauvres vont rarement tendre la main, malgré qu'elles sont vraiment dans le besoin. On connaît le cas de mères, qui ont détourné des couffins de Ramadan pour eux et leur famille. L'histoire des subventions en général... quand c'est fait par l'État, les gouvernements, les administrations, font que généralement, comme le robinet où il y a plein de fuites, ça arrive, c'est des petites gouttes qui arrivent à la destination. C'est ce qui se passe dans tout le système de subvention.
en Algérie ou ailleurs, c'est souvent sur étatique, c'est l'administration qui en profite dans une large mesure, et ce qui arrive à la population nécessiteuse est vraiment dérisoire. Alors il nous reste 5 minutes sur cette propension de la société musulmane, d'une façon générale, ce n'est pas propre à l'Algérie, de faire de ce mois de Ramadan, qui est censé être un mois de jeûne, un mois de bambance, un mois où on se goinfre, où on gaspille, c'est le mois où les gens s'énervent, c'est le mois où il y a le plus de coups et blessures, de mandats dépôt pour coups et blessures dans l'année. C'est le mois où les jeux de hasard se réveillent, c'est le mois où il y a Qambar ou Fihennes. C'est le mois où les plus pauvres souffrent le plus parce qu'ils voient les autres faire bambance, gaspiller, alors que jeter à la poubelle, alors qu'eux ne peuvent pas se permettre, qu'ils ont honte de rentrer à la maison, regarder leurs enfants en face, leurs enfants qui les attendent généralement, qui voudraient faire comme les autres enfants. Pourquoi cette propension de cette société à faire dégénérer comme ça un mois sacré, un mois aussi solennel, j'allais dire. Une question compliquée. Oui. Question compliquée parce qu'il faut, il faut analyser la société algérienne, mais ce n'est pas propre à la société algérienne, mais... Oui. Musulmane, on connaît la société algérienne, donc on va parler que de l'Algérie. Probablement qu'il y a plusieurs éléments. Probablement qu'il y a aussi un besoin de respirer aussi en milieu d'année, de trouver un mois où on peut renouer avec la fête, renouer avec les uns et les autres, se retrouver, faire un certain nombre de choses qui ne sont pas nécessairement, comme vous venez de le dire, nécessairement en pleine symbiose avec les valeurs et l'objet du Ramadan. Pas nécessairement. Il y a aussi cette proportion à dépenser, etc. Il y a aussi une société qui n'a pas été non plus éduquée dans un autre sens que celui-là, de la dépense à outrance. De l'étalage aussi. Et de l'étalage et un certain nombre de choses, parce que le régime n'a jamais fait preuve, on va dire, en la matière, d'autre chose que de ça. Il y a aussi cette volonté du régime à nourrir un certain nombre de clientèles et à les faire profiter de ce type de dispositif. Voilà un certain nombre d'explications, peut-être, oui, oui. Mais je suis sûr, non suffisantes. Partout dans le monde, dans toutes les civilisations, paradoxalement, ce qui fait tenir un certain nombre d'observances, comme Noël, Nouvel An, qu'ils soient chinois, qu'ils soient européens, qu'ils soient chrétiens ou autres, etc. C'est justement cette bombance, cette convivialité, mais aussi ces excès. Vous savez qu'en Europe, le mois de Noël, le mois de décembre, c'est le mois où on dépense le plus par rapport à l'année, où on fait plus d'excentricité, etc. Et c'est paradoxalement les commerçants, les affairistes, les hommes d'affaires, comme Halloween, comme autres, etc., qui font faire vivre ces manifestations. Oui. En fait, oui, il faut perdurer, oui, c'est vrai, malheureusement. Mais c'est comme ça. Juste pour Noël, par exemple, pour dire la vérité, nous vivons, nous, dans un pays occidental, chrétien, enfin, de tradition chrétienne, Noël, les pauvres ne souffrent pas. S'il y a bambance, s'il y a un peu de gaspillage, un peu d'excès, tout le monde mange à sa faim, tout le monde fête Noël, tout le monde reçoit des cadeaux. Relatif. Tout est relatif. Oui, mais il n'y a pas une trop grande différence entre les uns et les autres. Il y a quelques années, en pleine période des fêtes de Noël, donc entre Noël et Nouvel An, en période des soldes, où les gens, dans les grands boulevards, donc les gens s'amassaient, la foule, il y avait un pauvre monsieur, vieux, malade, sous la neige, avec un chien, qui l'accompagnait, son chien, qui était à côté de lui et qui faisait la manche. Deux Françaises qui passaient par là, qui ont regardé juste à côté de moi. Ils ont dit, oh, le pauvre chien. Ils avaient beaucoup plus de compassion pour le chien que pour le mendiant. Oui, oui. Mais quelque chose d'autre avant de nous séparer. Un joyeux Ramadan, un bon Ramadan en tout cas à tous les musulmans et les Algériens en particulier. Et un bon Aïd aussi. Déjà, c'est comme un ami à moi qui est... hier, il m'a dit, Ramadan, khalas, mazal 29 jours.
Voilà, dès qu'on commence à dire. Le décompte. Le décompte. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Azdine Zadani, merci beaucoup. Zoher Ruiz, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Saha Ftorkum, Saha Ramadankum, Qawala Khair, Beatikum Khair, Inch'Allah, ou l'Hna.